Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale pour vos maux de dos. On va pouvoir commencer cette séance en venant s'asseoir en tailleur. Si vous avez mal au dos, vous pouvez venir vous installer sur une brique. Et pour cette séance, si vous avez des briques, venez les prendre. Et si vous avez une sangle également. Donc installez-vous confortablement, relâchez bien votre nuque, votre tête. Contrairement à d'habitude, essayez de peut-être relâcher un tout petit peu plus. Et prenez le temps ici d'inspirer et d'expirer profondément. Vous pouvez venir fermer les yeux pour venir vous reconnecter tout doucement à votre corps, à votre respiration. Le fait de fermer les yeux est un signe de retrait envers le monde extérieur. Et donc cela permet de nous reconnecter à notre corps en étant pleinement présent et conscient de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Si la posture assise ne vous convient pas, adaptez votre posture en fonction de vos douleurs. Vous pouvez venir vous allonger si c'est la posture qui est la plus adaptée pour vous. Venir vous asseoir peut-être sur un coussin qui sera plus moelleux qu'une brique. Prenez le temps vraiment d'adapter votre posture. Pour être installé le plus confortablement possible. Relâchez bien vos épaules, votre dos, votre nuque. Essayez d'être le plus détendu et relâché possible. Vous pouvez venir inspirer par le nez et expirer bouche ouverte. Relâchez toutes vos tensions. Relâchez tout votre corps, tout votre dos. Ne forcez pas avec votre dos. Relâchez-le le plus possible. Relâchez votre colonne vertébrale. N'hésitez pas à venir tout doucement arrondir votre dos pour venir relâcher un petit peu plus. Et tout doucement à la prochaine expiration, on peut venir ouvrir les yeux. Vous allez toujours vous installer en tailleur et vous allez essayer de maintenir le dos le plus droit possible. Si vous étiez installé sur une brique ou sur un coussin, enlevez-les pour venir vraiment vous installer bien à plat au sol. Vous pouvez venir retirer la chair de vos fesses vers l'arrière pour venir vous installer le plus confortablement possible. Donc vous êtes ici assis en tailleur, le dos bien droit. Essayez ici de maintenir le dos bien droit, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Essayez de ne pas trop tourner votre tête. Essayez peut-être de mettre votre ordinateur ou votre tapis en face de votre télé pour vraiment vous installer le plus droit possible et ne pas devoir toujours désaxer votre tête et votre colonne vertébrale. Et on va venir tout doucement venir la travailler. On va venir inspirer. On va venir inspirer, creuser le dos. On va essayer d'amener la poitrine vers l'avant et de reculer les épaules vers l'arrière. Et expirez, arrondissez le dos. Inspirez, creusez. Faites ce petit mouvement avec vos bras pour venir vraiment travailler les omoplates, l'ouverture du dos. Et expirez, arrondissez.
Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Et inspirez, revenez en dos droit. On va venir changer la posture de nos jambes pour venir travailler encore plus cet exercice. Donc venez placer vos pieds bien à plat au sol, les genoux pliés. Et on va venir poser les mains sur les genoux. Et on va venir faire la même chose. On va venir inspirer, creuser le dos. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu vos genoux pour venir laisser la place à votre corps vers l'avant. Et expirez, arrondissez. Là, vous pouvez venir fermer les jambes pour venir arrondir encore plus. Inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez. Rentrez bien la tête. Venez bien arrondir votre dos le plus possible. Inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez. Et inspirez, revenez en dos droit. Et on va pouvoir cette fois-ci passer à quatre pattes et on va venir faire la même chose mais à quatre pattes. Donc vous êtes ici installé à quatre pattes. Prenez le temps de bien vous installer confortablement à quatre pattes. Faites attention à avoir bien les épaules au-dessus des poignets, les hanches bien en dessous, les genoux et les genoux largeur du bassin et les mains largeur des épaules. Amenez le regard entre les mains. Et restez ici pour quelques respirations. Essayez d'avoir le poids de votre corps bien réparti sur vos appuis au sol, donc entre vos mains, entre vos genoux. Essayez de ne pas être trop vers l'arrière, donc trop sur les genoux, ne pas être trop vers l'avant, trop sur les poignets, sur les mains. Essayez de trouver le juste milieu. Et on va venir inspirer, creuser le dos, lever la tête vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos, rentrez la tête entre les épaules. Inspirez, creusez. À chaque respiration, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin que la fois précédente. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez. Et revenez ici en dos droit. Et on va pouvoir venir expirer à nouveau, s'asseoir sur ses talons, relâcher les mains au-dessus de la tête, relâcher la tête au sol. Dans cette posture, essayez de garder cette fois-ci les bras au-dessus de la tête. Des fois, on peut venir descendre les bras le long du corps, mais ici, essayez de garder les bras au-dessus de la tête pour venir créer une ouverture au niveau des omoplates, au niveau du dos. Et prenez le temps ici d'inspirer et d'expirer profondément. Essayez de vous relâcher entièrement. Et tout doucement, à la prochaine expiration, amenez le regard entre les mains, ne vous relevez pas, restez ici. Et essayez de marcher un petit peu avec vos doigts vers l'avant pour essayer d'étirer vos bras et donc étirer votre dos. Et une fois que vous sentez l'étirement dans votre dos, que vous avez atteint votre maximum, que vous ne pouvez pas aller plus loin, restez ici tout en essayant de garder l'étirement du dos. Sentez l'étirement au niveau de vos omoplates.
Prenez le temps toujours d'inspirer et d'expirer profondément, d'être le plus détendu et relâché possible. Expirez, relâchez, revenez à la posture initiale de vos bras, rapprochez-les de vous et relâchez. Et tout doucement, la prochaine expiration, relevez-vous. Venez vous placer à quatre pattes sur votre tapis. Prenez le temps à nouveau de vous installer confortablement à quatre pattes sur votre tapis. Et on va pouvoir venir inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et expirer, enroulez votre bras droit tout doucement pour le placer sous votre bras gauche. Posez l'épaule droite au sol, la tête au sol et restez ici. Venez étirer tout doucement le haut de votre dos. Relâchez bien votre main droite sur le sol. Si vous êtes ici, que ça vous tire déjà, restez ici. Et si vous voulez accentuer un petit peu plus l'étirement sans forcer, venez tout doucement tendre le bras gauche au-dessus de votre tête. Et restez ici pour quelques respirations. Et inspirez, ramenez votre main gauche au niveau de votre tête si vous l'aviez tendue. Et repoussez avec votre main gauche pour venir à nouveau vous replacer à quatre pattes. Et prenez le temps de bien vous repositionner. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Venez inspirer, levez le bras gauche. Et expirez, enroulez votre bras gauche et passez-le sous votre bras droit, posez votre épaule gauche au sol, votre tête. Relâchez bien votre main gauche au sol. Et comme tout à l'heure, si vous êtes ici, que ça tire déjà un petit peu dans votre dos, restez ici, ne forcez pas. Et si vous voulez accentuer l'étirement, venez tout doucement tendre le bras droit au-dessus de votre tête et restez ici pour quelques respirations. Et à la prochaine inspiration, replacez votre main droite à côté de votre tête. Et venez pousser avec votre main droite pour venir à nouveau vous replacer à quatre pattes. Et on va venir encore une fois, venir expirer, s'asseoir sur ses talons. Relâchez les mains au-dessus de la tête. Restez ici, relâchez bien tout votre corps. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Et tout doucement encore, venez à la prochaine expiration, vous relevez pour venir à nouveau vous placer à quatre pattes. Et on va venir tout doucement crocheter ses orteils dans son tapis, venir se placer en chien tête en bas pour venir étirer tout son dos.
Expirez, montez en chien tête en bas. Vous pouvez venir ici, garder les genoux fléchis pour venir bien étirer tout votre dos. Ne vous occupez pas de vos jambes aujourd'hui. Amenez le regard entre les mains et venez étirer votre dos au maximum. Repliez bien vos jambes. On ne s'occupe pas du tout du bas du corps aujourd'hui. Restez bien focalisé, concentré sur votre dos, sur vos sensations. Relâchez bien votre tête, votre nuque. Et expirez, reposez les genoux au sol. Et on va venir s'allonger sur le dos. Donc vous êtes ici, les genoux pliés, les pieds bien à plat au sol. Et on va venir inspirer, plaquer les lombaires au sol. Faites une rétroversion du bassin. Et à l'expiration, montez tout doucement votre bassin vers le ciel. Décollez vertèbre par vertèbre et restez ici pour quelques respirations. Contractez bien vos fessiers, vos cuisses pour maintenir la posture. Venez également engager votre périnée et vos abdominaux. Et tout doucement, à la prochaine expiration, redescendez le dos vertèbre par vertèbre. Jusqu'à redéposer les fessiers au sol, décontracter les fessiers. Et venez relâcher votre dos et laisser votre cambrure naturelle se reformer. On va venir le faire une deuxième fois. À nouveau, prenez une grande inspiration par le nez. Et venez plaquer les lombaires au sol, faites une rétroversion. Et à votre expiration, montez tout doucement le dos vertèbre par vertèbre. Contractez bien vos fessiers, vos cuisses. Engagez votre périnée et vos abdominaux. Et restez ici à nouveau pour quelques respirations à votre rythme. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Et à la prochaine expiration, redescendez tout doucement votre dos, vertèbre par vertèbre, sans relâcher vos fessiers, vos cuisses, votre périnée et vos abdominaux. Et une fois que vous avez les fessiers qui touchent le sol, relâchez-les, laissez votre dos reformer sa courbure naturelle. Et on va venir, une fois que votre dos est entièrement redéposé au sol, venir amener les genoux à la poitrine. Vous pouvez venir attraper vos genoux avec vos mains et venir masser tout doucement votre dos. Prenez le temps ici d'inspirer et d'expirer profondément. Et vous allez pouvoir relâcher les bras de chaque côté du corps. Prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, amenez vos jambes vers la droite, votre tête vers la gauche. Sentez toute la torsion dans votre dos s'étirer. Vos vertèbres s'étirer et gagner de l'espace. Inspirez, revenez au centre. Et à l'expiration, amenez vos jambes vers la gauche, votre tête vers la droite. Relâchez bien tout votre corps vers vos jambes. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Sentez toute la torsion dans votre dos qui s'étire, vos vertèbres qui gagnent de l'espace. Et inspirez, revenez au centre. Et restez ici, gardez les genoux à la poitrine. Si vous avez une sangle, venez attraper votre sangle. Vous allez pouvoir placer votre sangle sur vos pieds. Prenez le temps de bien la placer. Et vous allez pouvoir placer la sangle également derrière votre tête. Gardez ici les genoux pliés.
Et vous allez venir ici, essayer d'étirer tout doucement votre nuque pour venir créer encore plus d'espace dans votre colonne vertébrale. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez venir faire la même chose en venant attraper vos pieds avec vos mains et venir basculer peut-être de gauche à droite. Et restez ici, venez jouer un petit peu entre l'écart de vos pieds en venant pousser d'un côté ou de l'autre. Sentez votre nuque qui s'étire tout doucement. Ne forcez surtout pas. Relâchez de temps en temps pour venir recommencer tout doucement. Et tout doucement, vous allez pouvoir relâcher vos pieds, relâcher vos jambes. Et venir allonger vos jambes le long de votre corps. Et venir allonger vos jambes, relâcher vos bras également. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément. De relâcher chaque partie de votre corps. D'être le plus détendu et relâché possible. Sentez peut-être votre dos qui se libère. Vous avez gagné de l'espace entre vos omoplates, entre vos vertèbres. Votre dos est peut-être beaucoup plus détendu et relâché qu'au début de la pratique. Essayez de le relâcher le plus possible, de relâcher vos épaules. Prenez le temps de vous installer confortablement. Et restez ici pour quelques respirations. En fermant les yeux, en venant essayer de relâcher complètement son corps. Et vous pouvez rester ici autant de temps que vous en avez besoin. Essayez de vous relâcher entièrement et complètement. Namasté. Merci et à bientôt.